volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Femme, n'est-ce pas? Oui, elle est belle, magnifique, oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'ennuies? Non. Non, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Non, pas du tout, non, ça va. Non. Non, franchement, te dire, c'est un vrai désastre, je te le jure. Je trouve ces créations minables et à la limite, on pourrait penser que, eh bien, que ce sont des haillons. Ah, mais regarde-moi celle-là, on dirait un zombie. Non, mais vraiment, on se demande, c'est quoi? Ah, et en ce qu'il s'agit du décor, ne m'en parle même pas. C'est tellement pathétique et d'une pauvreté, tu sais. Il y a une telle absence de vie, même à la mort, que c'est plus vivant que ça. Hein? Tony, pourquoi est-ce que tu critiques toujours autant, hein? Non, chérie, je ne suis pas en train de critiquer. Ah, je dirais plutôt que j'ai seulement très bon goût, ce qui n'est pas vraiment ton cas. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Tu as entendu ce qu'il a dit? Tu as entendu? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais... oh, Miguel Angel, c'est lui! Il vient juste de m'insulter. Enfin, chérie, fiou. J'ai simplement dit la vérité, d'accord? Mais tu vas arrêter? Hé, Miguel Angel, tu ne vas pas me défendre? De qui? Eh bien, dis-moi une chose. Tu trouves toi aussi que j'ai mauvais goût? Adri, il y a plus important dans la vie que les goûts que nous avons. Dis-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que tu es assis à mes côtés, hein? Je sens que je ne compte pas pour toi, Miguel Angel, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Vas-y, dis-le-moi. Ah mon Dieu, mais quel boulet! Arrête donc d'être aussi enquiquinante, Adri, il va finir par s'ennuyer, je te jure. Toi, tu peux rester en dehors de ça, oui, Tony. Miguel Angel, qu'est-ce qu'il y a? Dis quelque chose, mais parle, voyons. Mais... ah, eh bien rien, tu ne sais jamais rien. Et tu sais quoi? Quant à moi, ce défilé, je l'adore, Tony. Les vêtements sont magnifiques et les maillots de bain sont très jolis. Beaucoup mieux que ce que toi, tu as déjà créé. Tant mieux pour toi. Tu sais ce que je pense de toi. Ça ne m'intéresse pas. Regarde bien. Eh bien, tu sais quoi? Oh, moi aussi. Quoi, Madame Béatrice a un cancer? Fernando parle à voix basse. Béatrice est en haut et elle ne doit pas savoir qu'elle a un cancer. Pour aucune raison, elle ne devra le découvrir, Fernando. Tu sais comment elle est? Je sais qu'elle a fait une dépression et a essayé de se suicider. Si elle l'apprenait, ça lui ferait du mal. Oui, mais ça ne va pas arriver. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a un par à la rendre heureuse. Pendant ce peu de temps qu'il lui reste à vivre, on fera tout notre possible pour qu'elle s'amuse et qu'elle soit la femme la plus heureuse au monde. Et c'est à toi que revient ce rôle, Fercho. Puisque tu as une relation avec Béatrice et que tu es si proche d'elle. Je n'entretiens aucune relation avec Béatrice. Ah, et c'est bon, Fernando. Ce n'est pas le moment de cacher quoi que ce soit, il n'y a pas à avoir honte. Mais je vous jure que je ne cache rien. Je vous dis toute la vérité, je ne suis pas l'amant de Béatrice. Voyons, Fernando, tu ne vas tout de même pas laisser tomber Béatrice dans un moment pareil, quand elle a le plus besoin de toi. Non, mais... Bonsoir. Salut Lina. Comment va Béatrice? Elle dort. Ah, c'est très bien. Fertieux, je peux te parler une minute? Excusez-nous. Maintenant, ça ne peut pas attendre. Allons-y. On va revenir. Je ne comprends pas pourquoi les gens disent que moi, je suis l'amant de Béatrice. Tu veux que je t'explique, c'est ça? Oui, j'aimerais bien. Fercho, c'est ce que dit Béatrice depuis un moment. Quoi? Eh bien... Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'est que ma sœur s'est entichée de toi. En fait, elle a comme une relation platonique avec toi. Ne me dis pas que t'es sérieuse, Lina. Bien sûr que oui. Béatrice est une femme très seule. Et après le divorce, comme tu étais le seul homme qu'elle côtoyait, alors donc... c'est normal qu'elle ait fini par tomber amoureuse de toi, non? Lina... Mais tu vois, elle ne m'a jamais rien dit et encore moins tenté quelque chose qui me ferait penser qu'elle serait peut-être tombée amoureuse de moi. Ah, Fercho, mon Dieu! Ma sœur a toujours été une grande dame. Elle a simplement gardé secret son amour pour toi. Eh bien, ce n'est plus tellement un secret parce que... elle l'a dit à tout le monde, non? Ça ne s'est pas passé comme ça. Ma sœur en a parlé à Juan Carlos, puis elle me l'a dit, mais elle a fait l'erreur de le dire à Tony aussi, qui est une vraie pipelette. C'est pour ça que maintenant tout le monde a l'impression que vous êtes amants. Eh bien dans ce cas, il faut tout démentir. Comment ça et pourquoi? Il faut qu'on tire les choses au clair parce que ce n'est pas vrai. Elle a peut-être des sentiments pour moi, mais moi je n'éprouve rien pour elle, je veux dire. Fernando, s'il te plaît, pourquoi est-ce que tu veux briser le rêve d'une pauvre femme qui est en train de mourir? Lina, mais... Il n'y a pas de mais. Je sais bien qu'entre elle et moi, il ne peut rien se passer. Tu as raison, c'est bien vrai, effectivement. Il n'y aura jamais rien, tu sais pourquoi? Parce que tu es avec moi. Parce que je suis la seule femme dans ta vie. Eh bien... Ou est-ce que tu penses toujours à Scarlett? Non, non, pas Scarlett, non. Scarlett est avec Roberto, c'est une course perdue d'avance, je sais bien. D'accord, eh bien alors? Fercho. Fercho, je t'en prie. Fais que les derniers jours de ma sœur soient heureux. Donne-lui un peu d'amour et d'attention. C'est vraiment tout ce dont elle a besoin. Je sais que ça ne sera pas une relation passionnelle parce qu'on sait bien qu'elle va mourir, mais tu ne veux pas qu'elle souffre et qu'elle finisse toute sa vie toute seule. Et surtout quand la maladie prendra le dessus. Alors la seule chose dont elle aura besoin sera ton soutien. Et aussi que tu lui tiennes la main quand elle nous quittera. Fercho, s'il te plaît. Lina. Considère ça comme un acte de charité. Je ne sais pas, mon chéri, mon amour, s'il te plaît, oui, je t'en prie. Fais-le pour moi. Fais-le pour la gentillesse qu'a eu Béatrice à ton égard. S'il te plaît. Béatrice est en train de mourir. Lina dit que les médecins lui ont donné seulement 3 mois à vivre. Et pourquoi est-ce que personne ne m'en a parlé? C'est ce que je fais là. Oui, je t'en suis reconnaissant, mais tu vois, j'aurais préféré qu'on me le dise plus tôt, beaucoup plus tôt. Béatrice est ma femme. Ton ex-femme? Oui, mais bon... Elle a été ma compagne pendant plusieurs années. Je ne vais pas permettre que Béatrice meure. Roberto, qu'est-ce que tu vas faire? Va tenir compagnie à Béatrice dans sa chambre. Mais Lina, je... Va. D'accord. Alors dis-moi tout. Écoute, il semblerait que Roberto soit au courant et qu'il soit en route avec Miguel Angel. Parfait. Merci de me le faire savoir. Salut. Salut. Monsieur Fardo, comment ça va? C'est Lina Durand. Faites-moi une faveur. Si vous voyez messieurs Roberto White ou Miguel Angel Lozano, dites-leur qu'ils ne sont pas les bienvenus ici. Oui, vous m'avez bien entendu. Dites-leur qu'ils sont interdits d'entrer pour toujours dans cette maison. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu te sens? Miguel Angel. Non. C'est moi, Fernando, Béatrice. Combien de temps est-ce que j'ai dormi? Quelques heures. Est-ce que tu te sens mieux? Très faible. Un peu étourdie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te tiens compagnie. Ta sœur m'avait demandé de t'emmener au défilé, mais tu n'allais pas bien, non? Quel défilé? Le défilé sportif. Hmm. Non, je ne suis pas d'humeur pour les défilés. Oui, j'ai cru comprendre. Tu veux que je t'apporte quelque chose à manger? Non. J'aimerais un verre d'eau. D'accord. Heureusement que Béatrice a le soutien de Fercho. Je n'y crois pas vraiment, Lina. Fercho persiste à dire qu'il n'y a rien entre lui et Béatrice. Mais non, il se prête tout simplement au jeu de Béatrice. Et elle, de son côté, s'est toujours sentie gênée de sa relation avec Fercho. Et je crois que le fait qu'il soit employé n'aide pas vraiment. Fercho est très discret. Il ne dirait au grand jamais rien que Béatrice n'apprécierait. En tout cas, une chose est claire, c'est que Fercho est super amoureux de Béatrice. T'es sérieuse? J'ai toujours pensé que la seule femme qui comptait pour Fernando, c'était Scarlett. Allons donc. Fercho sait très bien qu'il n'y a aucun avenir avec Scarlett. Eh bien, espérons que dans ces moments difficiles, Fernando sera présent aux côtés de Béatrice. Et l'amour est plus fort que tout. Lina, Béatrice a besoin de toi. Elle est réveillée? Excusez-moi. Allons-y, je dois aussi te parler. Roberto est parti et a laissé David seul. Regarde. Il y a longtemps, ma chérie. Mais je sais bien que c'était depuis un moment. Mais il est parti avec Miguel Angel. Et j'ai très bien vu que tu les as suivis. Que s'est-il passé? Rien. Ils sont seulement en route pour la maison de Madame Béatrice. Et pour faire quoi? Eh bien, il y a que Madame Béatrice ne se sentait pas bien du tout et a dû rentrer chez elle. Et qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, on lui a découvert un cancer en phase terminale. Depuis, c'est répandu dans tous ses organes, ça la ronge et ça la ronge. On ne peut plus rien faire pour elle. Non, tu es sérieux? D'ailleurs, le diagnostic est très clair, il n'y a pas à sortir de là. Elle va mourir. Mais Tony, ce n'est pas possible. Non, mais j'ai l'air d'un menteur. C'est la vérité quand je te dis qu'elle va mourir. Bien sûr, ça arrive, car peu importe l'image immaculée que renvoyait Madame Béatrice, c'est un être humain. Écoute, je vais mourir, moi. Tu vas mourir, toi. Et ce petit bâtard que tu attends, lui aussi, va mourir. Oui, on va tous mourir. Ah non, Madame Béatrice ne peut pas mourir et encore moins maintenant. Je veux dire, comment est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer pour Roberto? Qu'est-ce qui va se passer pour Mariana? Qu'est-ce qui va se passer pour Fernando? Ce sera une tragédie pour tout le monde. Ma chérie, chacun doit bien continuer à vivre sa vie parce que comme on le dit, comme on le sait, la vie doit suivre son cours, tu vois. Les morts vont au trou et les vivants font la fête et arrête de pleurer. Lina, aide-moi. Voilà, voilà. Donne-moi une seconde, ma chérie. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Un antidouleur. Tony, ça ne peut pas être vrai. Avec tous les problèmes qu'ont eu jusqu'ici Mariana et Roberto, maintenant leur relation est vouée à l'échec. Mais petite, s'il te plaît, calme-toi. Tu vois, c'est plutôt une opportunité pour que Scarlett se rapproche de Roberto. Alors, pas la peine de pleurer. C'est la vie, il y a des gagnants et des perdants. Et maintenant, ça suffit comme ça. Et comment tu peux être dénué de sentiments, hein, Tony? Pour moi, la mort est une chose terrible. Adri, arrête, s'il te plaît. Mais bon sang, voyons. Écoute, je t'en supplie, mais arrête. Tu dois savoir que quand une femme enceinte pleure, le bébé est triste. Tu veux que cet enfant soit un triste bâtard ou quoi? Non. Alors, reprends-toi. Applaudissons, comme ça cet enfant sera joyeux. Coucou. Vas-y, applaudis, tu te sentiras mieux. Cache tes émotions, ressaisis-toi. Ce que tu lui as donné est vraiment trop fort, regarde-la. Fort heureusement, parce que je ne supporte pas de la voir souffrir. Excuse-moi un moment. Allô? Lina, mais qu'est-ce qui se passe? Le portier me dit ici qu'il a reçu l'ordre de ne pas me laisser entrer. C'est bien vrai. Tu ne pourras plus entrer dans cette maison maintenant. Tu dis que je ne peux pas entrer dans ma propre maison? Pardon? Ce n'est plus ta maison à présent. Rappelle-toi que lors de la répartition des biens, cette maison est devenue celle de Béatrice. de sorte que toi, tu ne puisses pas entrer. Elle ne veut plus te voir. Tu ne peux pas m'empêcher comme ça d'entrer. J'ai toujours le droit d'être aux côtés de Béatrice. Elle a été ma compagne pendant plusieurs années, et si elle est malade maintenant, il est tout à fait justifié que... Mais attends, Roberto. Étant donné que tu parles de justice, laisse-moi te rappeler, très cher, que dès l'instant que le divorce a été prononcé, tu n'as plus rien à voir avec ma sœur. Tu es une personne libre et ma sœur aussi. Lina, s'il te plaît, ce n'est pas seulement une question juridique, c'est aussi une question de sentiment. Pour te dire, nous parlons d'humanité. S'il te plaît, j'ai l'impression que tu vas me dire que tu aimes toujours ma sœur. Bien sûr que je l'aime toujours. Ah oui? Et alors, pourquoi est-ce que tu lui as demandé le divorce? Lina, mais ne sois pas absurde, je t'en prie. Je ne suis peut-être plus le mari de Béatrice, je suis d'accord, mais je l'aime toujours et j'ai de l'affection pour elle. Lina, si Béatrice est en train de mourir, je veux être à ses côtés, je veux faire tout mon possible pour la sauver, alors tu ne peux pas me mettre à l'écart dans un moment pareil. Béatrice a besoin d'être entourée de toutes les personnes qui l'aiment, tu ne peux pas lui faire ce que tu fais. Je sais, Roberto, je sais bien que dans un moment pareil, ma sœur a besoin d'être entourée de ceux qui l'aiment. Et on est tous là, toutes les personnes qui tiennent une place dans son cœur. Ah oui? Et qui peuvent bien être ces personnes? Fertio, qui s'entend très bien avec Béatrice. Et bien sûr, il y a Juan Carlos, notre cousin. Et Mariana. Mariana? Mariana est là avec Juan Carlos? Bien sûr. C'est normal car Mariana est la meilleure amie de Béatrice. Juan Carlos et elle forment le couple dont ma sœur est le plus proche. Alors n'insiste pas, Roberto. Toi, tu ne fais plus partie de cette famille. Il n'y a rien à faire. Lina est une sorcière. Dis-moi donc quelque chose que j'ignore. Bien, on y va, allons. Je veux vraiment vous remercier. La solidarité dont vous faites preuve dans ces moments durs compte beaucoup pour Béatrice et moi. C'est le moins que nous puissions faire, Lina. Je pense que Roberto devrait être mis au courant de ce qui se passe. Il ne sait pas à quel point Béatrice est malade. Et je ne sais pas, je pense qu'il pourrait peut-être l'aider. Roberto le sait déjà. Miguel Angel le lui a dit. Et il était là tout à l'heure et il voulait voir Béatrice. C'est Roberto. Eh bien, ne réponds pas. Juanca, il est clair que je dois lui répondre. Allô? Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit que Béatrice était malade? Roberto, j'allais te le dire très bientôt. Tu n'es qu'une traîtresse! S'il te plaît, ne crie pas comme ça. Tu sais très bien que c'est à toi que je confiais mes pensées et mes sentiments. Mais toi, tu t'en fichais pas mal. J'étais stupide de croire que tu m'aimais. J'ai été un idiot, un vrai idiot qui continue à t'aimer. Mais celui qui compte pour toi, c'est Juan Carlos. Roberto, s'il te plaît, juste une seconde. Non, 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 non. Tout est très clair. Pourquoi tu m'évites? Tu me résistais pendant tout ce temps. Mais tu sais quoi, Mariana, tu n'as jamais fait preuve de courage de me dire toute la vérité parce que tu n'as jamais pu me parler. Honnêtement, pourquoi est-ce que j'ai dû l'apprendre dans un moment de grande douleur? Pourquoi? J'aurais pu comprendre, oui, j'aurais pu comprendre que tu m'aimes pas. J'aurais pu comprendre ça, mais je ne pourrais jamais te pardonner pour m'avoir trahi à ce point. Jamais. Alors j'espère que tu seras très heureuse avec Juan Carlos. Ne t'approche pas de moi parce que je ne peux plus jamais te voir. Très bien. Où est-ce que tu veux que je te dépose? Ou alors, où allons-nous? Eh bien, ma voiture est restée au salon du textile. C'est bon, parfait. Allons-y, je t'emmène. Je pense bien que le défilé va bientôt se terminer. Et nous y arriverons à temps. À temps pour faire quoi? Pour voir Scarlett. Roberto a dû partir. Ah, David, je te prie de l'excuser. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Je suppose qu'on va devoir célébrer sans Roberto. Ah, mais tu vois, je suis crevée, David, alors écoute. Je t'appelle demain et on s'arrange pour organiser une fête avec Adri et avec Roberto, tous ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, parfait. Dans ce cas, je vais attendre ton appel. Salut, ma belle. Au revoir. À bientôt. Et félicitations. Merci. Oh. Adri, je suis tellement fatiguée. Je dirais même crevée. Oh. Oh. Roberto a toujours été très impulsif. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas laissé entrer. Tu l'as empêché d'entrer? Non, Mariana, je ne voulais pas de scandale. Mon Dieu, Lina, Roberto n'est pas un homme à scandale. Si, il l'est. Fernando a raison. Mariana, Roberto a trop souvent des réactions violentes et... Regarde comme il vient de te hurler dessus. Aïe, chérie, je suis vraiment désolée, mais tu comprends que nous avons tout entendu. Roberto a été très dur avec toi alors que ce n'était pas du tout de ta faute. C'est moi qui ne l'ai pas laissé rentrer. Bon, je crois que ce serait mieux que... Nous allons nous reposer parce qu'il est très tard. Mariana, je te ramène chez toi. D'accord. Oui, oui. Vraiment, merci beaucoup à vous. C'est bon, on se parlera demain, d'accord? Salut Fercho, à plus. Salut Juanca. Salut, à plus. Au revoir, j'y vais aussi. Enfin seul? Il vaut mieux que j'y aille, Lina. C'était une journée très difficile, non? Ça a été une journée horrible, mais... Mais quand tu es là, les choses sont beaucoup plus faciles. Plus faciles à supporter. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Ah non, 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 Fertieux, non. Ma sœur est très malade et moi j'éprouve ses sentiments, alors non, c'est mieux que tu t'en ailles d'ici. À demain. Jamais je me suis autant trompé sur le compte d'une femme. Jamais. Maintenant que Mariana m'a montré son vrai visage, je réalise que je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle soit aussi affreuse. Ce n'est pas le plus important en ce moment. Ah non? Non? Tu trouves que ce n'est pas important? Non? Pour Mariana, j'étais prêt à tout pour la rendre heureuse. J'étais arrivé au point de tout quitter pour elle. Roberto, mais voyons, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as toujours pas compris que Béatrice est en train de mourir? Mais demande-toi quelles sont tes priorités dans la vie. Je n'arrive pas à croire que Mariana soit plus importante que Béatrice dans un moment pareil. Béatrice est en train de mourir, mon frère, tu comprends ça? Désolé, mes excuses, parce que ça me paraît... Oui, tout ça me paraît tellement absurde. C'est bien vrai. Tu as tout à fait raison, c'est juste... Pas maintenant. Je dois vraiment m'occuper de Béatrice et... oublier à tout jamais Mariana. Et toi, est-ce que de ton côté tu as eu des ennuis avec Lina? Et pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, parce que le portier a dit que toi aussi tu étais interdit d'entrer dans la maison de Béatrice. Oh, rien d'étrange. Je suppose que c'est parce que je suis ton ami, non? Ça fait de moi une persona non grata aux yeux de Lina. Ouais, ça doit être ça. Tu as raison. Non, mademoiselle Lina, je ne veux pas partir et laisser madame Béatrice seule, surtout qu'elle est malade. C'est précisément ça, Yolanda. En ce moment, ma sœur a besoin d'être prise en charge par des gens de la profession médicale. Elle ne peut pas manger comme elle le faisait avant. Donc on aura besoin d'une personne qui sait s'occuper des patients en phase terminale. Mais les vêtements doivent être lavés et la maison doit être nettoyée, mademoiselle Yolanda. La décision est prise. À partir de demain, on n'aura plus besoin de toi. Je sais, mademoiselle Lina, que vous ne m'avez jamais vraiment aimée. Mais je veux rester ici et être là pour soutenir madame Béatrice jusqu'à la fin. Yolanda, je sais combien tu aimes ma sœur. Et pour ça, nous te sommes toutes les deux très reconnaissantes. Crois-moi, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te trouver une bonne maison. Je te donnerai une bonne indemnisation. Et tu toucheras une prime pour toutes tes années de bons et loyaux services, mais c'est une décision que j'ai déjà prise. Non, la Béatrice ne peut pas mourir. Elle est si jeune, si généreuse. Ce n'est pas juste. Non, mademoiselle Lina, ce n'est pas juste. Yolanda, la vie est injuste. Mais nous devons tous nous faire à l'idée que tôt ou tard, aussi difficile que cela peut être de l'accepter, Ma soeur va mourir. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par Béatrice Durand va mourir, Adriana? Oh, que oui, Scarlett. Elle a un cancer du foie et... on ne peut rien y faire car... elle est en phase terminale. Je sais très bien que tu n'as jamais beaucoup aimé cette femme. Mais tu vois, Scarlett, elle ne mérite pas de mourir aussi jeune. Non, mais... mais bien sûr, Adri. C'est une situation vraiment horrible, Adriana. D'ailleurs, personne ne mérite d'attraper une maladie aussi terrifiante que ça. Oh, pauvre femme. Mariana. Mariana doit être... et Roberto. Hein? Non, mais il faut que j'appelle tout de suite ma sœur. Je dois parler à ma sœur. Oh mon Dieu, la pauvre. Allô? Salut, Marie. Marie, je viens. Je viens d'apprendre pour Béatrice. Comment tu vas? Mal, ça a été une nouvelle qui nous a accablés tous ici, Scarlett. Et toi, comment tu vas? Qui te l'a dit? Adri. Roberto pour aller chez Béatrice, mais je pense que c'est Tony qui l'a dit à Adri. Eh bien, maintenant, tout le monde le sait, excepté Béatrice. Et Roberto? Tu as parlé à Roberto, Marie? Oui, il vaut mieux que je te raconte plus tard, oui. Ah. Marie, tu sais très bien que je ne me suis jamais bien entendue avec elle, mais... je sais que tu l'aimes et que c'est ton amie. Tu dois être vraiment bouleversée, n'est-ce pas? Oui, petite sœur. C'est comme un vilain cauchemar. Je te jure, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me recoucher et dormir. Oui, dormir pendant au moins une semaine pour ne pas avoir à penser à tout ça. Oh Marie, mais... Écoute, pourquoi tu n'essaies pas de penser à quelque chose de bon? Oui, pense à quelque chose de bien, peut-être nous pourrions faire quelque chose pour elle. Oui, je connais très bien des gens dans une clinique de soins esthétiques et je leur demanderai qui sont les meilleurs spécialistes pour le traitement du cancer. Et ainsi tu pourrais l'y emmener, qu'en penses-tu? Ah oui, c'est très bien, appelle-les dès demain matin, d'accord? Et toi alors, tu rentres bientôt à la maison? Oui. Sœurette, je suis en route pour la maison et alors prépare-toi pour une séance de gros câlins et je vais te donner plein de bisous et je vais te remonter le moral et nous allons passer de bons moments, toi et moi, ma chère Marie. Surtout, n'oublie pas que je t'aime beaucoup. Détends-toi. Très bien. À plus, Marie. Aïe, ma pauvre Marie. Roberto, je viens d'apprendre pour... je suis vraiment désolée. Est-ce que tu as fini? Tu crois qu'on peut y aller? Oui. Super. Tout de suite. Allez, viens, on va boire un verre. Bien sûr, allons-y. Allez, on y va. Nous devons trouver un autre médecin pour Béatrice. Oui, je suis d'accord. Au téléphone, Scarlett me disait justement qu'elle connaissait un médecin et qu'elle allait le lui demander. Eh bien, je connais très bien celui qui s'était occupé de mon papa. C'est... un très bon docteur et... même s'il n'a pas pu le guérir, il lui a tout de même donné plus de temps ainsi qu'une qualité de vie. Peut-être qu'il pourrait faire de même pour Béatrice. Ah, je l'espère, Juanca. Si seulement il pouvait lui rester des années au lieu des mois à vivre, des années et encore des années pendant lesquelles elle aurait pu être heureuse. Travailler, voyager, avoir un bébé. Parce que c'est ce qu'elle a toujours voulu, tu sais. Devenir mère, c'était son plus grand rêve. Je ne sais pas, Mariana, peut-être qu'on pourrait l'emmener ailleurs, emmener Béatrice dans un autre pays, aux États-Unis, pour qu'elle puisse se faire soigner, parce qu'avec les dernières technologies, on peut même guérir du cancer. Oui, Juanca. Et tu sais quoi? Tu as tout à fait raison, on ne va pas baisser les bras pour rien au monde. On doit tout donner pour essayer de sauver Béatrice. Et on va le faire. Roberto, boire ne va rien résoudre, tu sais. T'es sûr que ce n'est pas la solution? Béatrice va mourir, que je sois sobre ou bourré. Tu as raison. D'accord, mais... je pense que tu devrais envisager d'autres pistes, comme consulter d'autres médecins, et si c'est un mauvais diagnostic, hein? Bien sûr, mais je fais comment si je ne peux même pas m'approcher d'elle et lui parler? Je ne peux même pas entrer dans ma propre maison. Ils me tiennent à l'écart. Mais... qui t'empêche de mettre les pieds chez toi? La super bande est gentille. Tous ceux qui pensent que moi, je suis le méchant et que je ne mérite pas d'être avec... mon ex-femme. Et là, je parle de Fernando, de Lina. Fernando, bien sûr. C'est sûr. Eh bien oui, puisqu'il est l'amant de Béatrice. sais, je n'ai aucun problème avec ça. S'il peut accompagner Béatrice en ces derniers moments, moi je trouve ça... ça me semble vraiment bien. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que Mariana, pendant tout ce temps, ne m'a rien dit et qu'elle s'est rangée du côté de toute cette bande qu'est Lina et Juan Carlos pour m'interdire d'entrer dans ma propre maison. Il y a dans tout ça une chose que je ne comprends pas. Mariana, je sais, n'a pas pu être déloyale avec toi. Mariana ne ferait jamais ça, elle est trop honnête et je ne... Arrête, s'il te plaît. Ne me parle plus de Mariana. Tu sais, j'ai découvert aujourd'hui que je suis complètement seul. Ah, Roberto... C'est la vérité. Non, non, ce n'est pas vrai. Si, c'est la vérité, c'est la vérité. J'ai perdu d'abord mon papa, ensuite j'ai perdu mon épouse, enfin j'ai perdu tous mes amis. J'ai aussi perdu Mariana. Non, Mariana n'a jamais été à moi. Elle n'a jamais été à moi. Et... non, tu sais quoi, je vais me dévouer à ceux qui réellement en valent la peine. Et je vais oublier tout ce que j'ai perdu. C'est ça. Désormais, je vais me concentrer sur tout ce que j'ai. Je vais maintenant compter sur deux personnes qui sont toujours avec moi. La première, c'est Miguel. La seconde, c'est toi. Je ne dirai au grand jamais rien que Béatrice n'apprécierait. Et je ne sais pas, je pense qu'il pourrait peut-être l'aider. Voyons, tu m'as dit que Béatrice voulait que ça reste confidentiel, Mariana. Oui, mais ce n'est pas une excuse. Il aurait dû le savoir en premier. C'était son devoir de marier Juan Carlos. Mariana, j'ai remarqué que tu cherches toujours à trouver une bonne raison pour défendre Roberto. Et il se trouve qu'il a agi par égoïsme. Et je ne te parle même pas de toutes les situations où il t'a fait souffrir. Tu ne connais pas Roberto. Je le connais très bien, Mariana. Je connais Roberto depuis que je suis tout petit. Ce qui se passe, c'est que... ton amour pour lui te rend aveugle et... tu lui trouves toujours des excuses. Mais une fois que tu verras Roberto sous son vrai jour... tu sauras enfin quel genre d'homme c'est. Tu es tellement injuste avec Roberto. Excuse-moi d'être aussi directe, Mariana. Roberto n'est pas fait pour toi. Il te faut quelqu'un de différent, un homme... qui a eu dans sa vie un parcours similaire au tien. Quoi, un homme comme toi? Oui. Un homme comme moi. Et je suis disposée à attendre ce jour, Mariana. Parce que je sais que le jour viendra où tu comprendras. Tu te rendras compte que Roberto est peu scrupuleux. Et à ce moment-là, je serai là pour toi. Et Juan Carlos, je ne crois pas que... ce n'est vraiment pas le moment d'avoir cette discussion. Je ne suis pas d'humeur à ça. Et alors, je te demanderai de partir, s'il te plaît. Bon, très bien, je m'en vais. Demain matin, je pense que nous aurons l'esprit plus clair. Je l'espère. Essaie de te reposer. À demain. Tout doucement, Roberto. Non, Roberto. Non, c'est oui, ça. Jamais je n'aurais pensé que tu savais conduire. Eh bien non, je ne sais pas conduire et tu sais, aujourd'hui c'est bien la première fois que j'ai conduit une voiture et je me suis bien débrouillée. Non, non, non. Tu as été horrible. Donne ça. Ah. Non, attends, voyons, donne-moi ça. Non. Oui, j'ai failli nous tuer, mais c'était toi qui avais conduit. Ivre comme tu es, nous serions déjà morts. C'est une bonne idée que j'ai eue de prendre le volant, non? J'ai conduit quelquefois et je suis bien meilleure que Juan Pablo Montoya. En plus, c'est trop cool de conduire. Je devrais m'acheter une voiture. Toi, tu devrais m'acheter très bientôt une voiture à moi. Une voiture de sport rouge, comme on en voit dans les magazines. Oh. Tu es très exigeante. Pas exigeante, c'est ce que je mérite. C'est donc différent. Tu es vraiment dingue. Eh bien, nous formons un couple parfait. Non, car moi, je n'ai absolument pas de grain de fou. Oh non, 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 non. Heureusement pas. Appelle-moi un taxi, je dois rentrer. Tu veux partir? Eh bien, je ne peux pas dormir ici. Et pourquoi pas? Reste donc. Non. Et pourquoi non? Eh bien, parce que... parce que tu es vraiment ivre. Écoute, c'est vrai. J'ai bu... mais je sais parfaitement ce que je suis en train de faire. Je ne veux pas y croire. Écoute, c'est que le problème, c'est que si je reste ce soir, la première nuit passée avec toi devrait être spéciale. Et je ne veux surtout pas que tu l'oublies. Donc, je ferai mieux de partir. Je ne vais oublier rien. Rien. Et toi non plus. Tu as déjà utilisé toute la morphine que je t'ai donnée, Lina? Il m'en reste encore un peu, mais c'est certain qu'il va m'en falloir encore un peu plus. Non, ma chérie, tu dois faire très attention avec la morphine. Tu sais que c'est une drogue très dangereuse. Et si tu ne l'utilises pas correctement avec Béatrice, tu finiras par la tuer, je te le dis. Tony, je fais très attention. Excuse-moi, je ne crois pas que tu sois vraiment prudente avec ça et je préfère te le dire. Je t'en ai donné une bonne quantité la semaine dernière et tu me dis que tu n'en as presque plus. C'est sûrement dû au fait que tu en administres 3 Béatrice matin, midi et soir. Je ne veux pas voir ma sœur en train de souffrir. Tu as bien vu comment elle réagit à chacune des attaques. Et si tu la voyais quand elle se tord de douleur, eh bien tu comprendrais. Ah, je sais, et je comprends tout à fait, Lini, c'est évident. Que la souffrance qu'éprouve un patient en phase de cancer terminal est quelque chose de très difficile à supporter. Bien, alors apporte-moi plus de morphine. Ah, mais c'est vraiment très compliqué d'en trouver, ma chérie, je te le jure. Quoi, tu ne veux pas m'aider? Non, mais bien sûr qu'il n'y a pas de doute que je veux t'aider, et c'est aussi vrai que je suis ton amie, mais tu vois, continuer d'acheter de la morphine est illégal, surtout quand c'est en grosse quantité, et je n'aimerais pas que... Ne t'avise surtout pas de jouer à l'innocent avec moi, parce que tous les deux, nous savons bien que tu en as fait des choses illégales. Oh, tu n'es vraiment pas sympa. À t'entendre, on croirait que je suis un criminel, alors que moi, je suis un artiste avant tout. Un artiste qui ne serait vraiment rien sans moi, et qui n'aurait jamais pu lancer sa collection, parce que, mettons-nous d'accord, je suis la propriétaire de Béatrice Durand. Ah, je vois, d'accord. Tu es en train de me faire du chantage, si je comprends bien. Non, je veux dire clairement, ta collection n'aurait jamais été sur le podium sans moi. D'accord, tu as gagné. Mais sache que tout ça me déplaît fortement. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Qui c'est? Roberto, c'est parce que tu as bu un peu trop. Et comme on sait, ta femme est en train de mourir du cancer. Et tu viens aussi de rompre avec Mariana et c'est logique que tu n'étais pas réellement en état de vouloir faire l'amour ce soir, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas la question. J'ai eu du mal à te faire l'amour, je le reconnais. C'est vrai, je n'ai pas pu, c'est clair. Allons, mais calme-toi, ce n'est pas grave. Qui sait, ce sera pour une prochaine fois. Une prochaine fois? Une prochaine fois, tu parles? Mais c'est ce soir que je voulais te faire l'amour. Oui, eh bien, on réessaiera une prochaine fois, c'est vrai. Ça va arriver, c'est sûr, mais ce ne sera pas ce soir, d'accord? Tu n'es pas fatiguée parce que moi, je tombe de sommeil. Si. Et alors, dans ce cas, allons dormir. Je suis sûre que ça ira beaucoup mieux quand on se réveillera demain matin. Allez. Arrête de te voiler la face et de mentir à toi-même. Ne me regarde pas comme ça. Tu sais que j'ai bien raison, tu es toujours jaloux, mon petit papa. Ne me regarde pas comme ça. Tu sais que j'ai bien raison, tu es toujours jaloux, mon petit papa. Quoi? Non? Moi? Jaloux? Non, s'il te plaît. Mariana, ta mère était une dame. Jamais elle n'a été intéressée en quoi que ce soit par Gonzalo. Eh bien, alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu es en train d'envisager de travailler à la Fondation White. Eh bien, je ne suis plus sûre parce que Gonzalo a des problèmes. Bien sûr! Gonzalo a des problèmes avec la loi, parce qu'il est un contrebandier. Et tu sais c'est quoi le pire? C'est que moi, tu vois, je voulais bien lui pardonner, et rester à la fondation, et même à aider Gonzalo à sortir de ce pétrin où il s'est enfoncé. Mais il ne l'a pas voulu, donc maintenant il doit assumer les conséquences. Il se peut très bien que Gonzalo soit innocent. Eh bien moi, j'ai la preuve du contraire. Des preuves? J'ai des preuves. J'ai quelque chose qui prouve le délit de contrebande de Gonzalo, et je compte bien faire la lumière dessus. Donc le mieux pour toi et Scarlett, c'est de vous tenir à l'écart. Tu m'as entendu? Mais papa... Quoi? J'ai tout dit. Et Scarlett, elle vient prendre son petit déjeuner ou elle va dormir toute la journée? Elle n'a pas passé la nuit ici à la maison. Elle a sûrement dû dormir chez Adri, je le pense. Je le pense aussi. Je me trompe peut-être. Réveille-toi, marmotte. Assieds-toi droit. Et je vais te mettre le plateau là. Et voilà, tu es servi. Tu as fait le petit déjeuner pour moi seule? Eh bien, je suis mannequin, je suis aussi au régime. Mais je veux bien un morceau de fromage. Quoi, tu n'as rien mangé? Ne me dis pas que tu n'aimes pas ce que j'ai fait. Non, bien sûr que c'est très bon, mais c'est que je suis juste un peu surpris parce que je ne... Tu me trouves belle? Ouais, t'es belle. Oh, Roberto, nous n'avons pas couché ensemble hier. D'accord, mais ne t'en fais pas, on prendra notre temps. Je n'aurais pas dû parler de ça. Eh bien, c'est un sujet un tout petit peu sensible pour moi. Je m'imagine. Tous les hommes virils se sentent visés et intimidés quand il s'agit des soucis au lit. Roberto, la vérité, ça n'est pas aussi important. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Oui, et ça t'est déjà arrivé à toi? Et je n'ai pas autant d'expérience comme tu pourrais le croire, bébé. Ça veut donc dire que ça ne t'est jamais arrivé? Non. Mais n'en fais pas une habitude, d'accord? Gare à vous, monsieur. Très bien, j'essaierai de m'en souvenir. Roberto, je veux que tu saches que je suis très heureuse. Je constate que nous avons franchi un pas très important, tu ne crois pas? Scarlett, écoute, c'est que hier soir, j'étais préoccupée. Ah non, d'accord, je vois, mais je t'ai dit que tu ne dois pas te sentir coupable, s'il te plaît. Il n'y a pas de quoi se culpabiliser. Ce qui s'est passé hier était merveilleux. Ça aurait pu être mieux. Tu verras, ce sera mieux. Marmelade. Que c'est bon. Dommage que je ne puisse pas en manger. À plus.